Alors que les rayons du soleil commencent à réchauffer l'hiver, notre groupe de gourmets invétérés entame un nouveau voyage vers la gastronomie. Leur cible d'aujourd'hui, les nouvelles saveurs du nouvel an. Lorsqu'on veut réussir un plat, il faut d'abord être exigeant sur la qualité des ingrédients et, mieux encore, être intransigeant sur le goût. Pour la nouvelle année, les saveurs du réveillon sont bien sûr primordiales. Mais peut-être êtes-vous déjà blasé de goûter les mêmes saveurs, que ce soit celles de la cuisine chinoise ou autre. Alors comment procéder pour que des ingrédients en somme toute ordinaires donnent des saveurs qui ne le sont pas? Pour notre première étape, nous allons nous tourner vers les volailles. En effet, pour le réveillon du nouvel an, le poulet et le canard sont sans conteste les viandes les plus appréciées. Mais quand on veut trouver des saveurs qui sortent de l'ordinaire, il faut aussi accepter de mobiliser ses compétences, non pas en cuisine, mais en kung-fu. En route donc pour découvrir des volailles du nouvel an à toutes les sauces. Tous les villageois pratiquent le kung-fu, ce n'est pas du cinéma. À Daü, des enfants de 7-8 ans à des personnes âgées de plus de 60 ans se transforment en artistes martiaux quand ils enfilent leur tenue d'entraînement. Zhang Peixin, trentenaire, est né et vit au village de Daü. Il pratique le kung-fu depuis plus de 20 ans. C'est un véritable artiste martial, mais aussi un bon cuisinier. La soupe de canard blanc de Yongchuan est un célèbre plat traditionnel de l'ethnie Han du Fujian. Son aspect dépend du choix des produits et sa qualité de la cuisson. Sa soupe veloutée, riche et parfumée donne un mets exquis. Pour faire ce plat, on doit utiliser le canard fan, c'est-à-dire le canard blanc de Barbarie élevé localement. Il vient de la zone tropicale d'Amérique du Sud. Il a été introduit dans le sud du Fujian depuis Taïwan. En raison du climat et de l'environnement favorable à la reproduction de l'espèce à Yongchuan, les canards de Barbarie locaux sont les meilleurs de la région. Comme leur viande est supérieure aux canards ordinaires, qui sont riches en protéines et en certaines vertus médicinales, ce canard est donc considéré comme un produit précieux pour améliorer la santé. Rajouter des plantes médicinales dans les plats est un secret culinaire très apprécié par les habitants de Quanzhou. Comme ils vivent dans un milieu chaud et humide, le fait de rajouter des plantes médicinales parfumées dans les mets permet de subtilement enlever l'humidité en excès du corps et de le renforcer. Quand Monsieur Zhang dit que ça augmente les capacités en arts martiaux, c'est le principe de se soigner avec l'alimentation, afin notamment de faciliter la circulation du sang et de l'énergie vitale dans le corps. C'est ce qu'on retrouve dans l'essence du style de la grue blanche de Yongchuan. Tous les chemins mènent au même sommet, mais les maîtres de kung-fu de Quanzhou savent qu'en rajoutant des plantes médicinales dans la cuisine, il se cache en fait un autre intérêt. Le parfum dégagé par la soupe de canard blanc dépend d'une substance mystérieuse, l'exsuda azoté. C'est une substance azotée produite par la viande de volaille bouillie et qui se mélange à l'eau de cuisson. C'est le principal élément qui donne le parfum de la viande.
et les experts en kung-fu à la connaissance approfondie savent que l'ajout de plantes médicinales favorise les sécrétions de cette substance et obtiennent ainsi une soupe encore plus parfumée.这个唇齿之间完全没有油腻的感觉，但是会有一种黏黏稠稠的感觉。对，它是农家呀，就是自然的。没错没错，但是呢，很明显的就是有各种中药材加上鸭子的那种香气混合在一起，融入到你的唇齿当中，咽下去特别舒服，尤其是在出完汗之后喝下这么一口。 对，补气。哇，真是练武之人的绝佳饮品呐！Cette douce saveur reste dans le palais. Cette délicate soupe de canard blanc est justement le joyau des solides pratiquants de kung-fu. C'est bien cette alliance du fort et du souple qui a donné ce mets au goût unique. Le kung-fu traditionnel, aux formes multiples et diverses, où l'on maîtrise la force souple et la force dure pour devenir imbattable. Sur la table des habitants de Quanzhou, y a-t-il d'autres recettes secrètes kung-fu encore plus subtiles? Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondit, Sun Shun a trouvé le plus mystérieux des mets kung-fu de Quanzhou. Leur surnom s'appelle les griffes magiques. Leur vrai nom s'appelle les pattes de poulet de Honglai. D'après la légende, elles pouvaient absorber l'âme. Une bouchée et c'est difficile de s'arrêter. La dégustation d'une seule pâte et c'est difficile de l'oublier. Afin d'éclaircir son mystère et de trouver la recette kung-fu la plus authentique, Sun Shun s'est rendu spécialement sur le lieu de leur création, le bourg de Honglai de Quanzhou, pour rencontrer la personne qui a donné vie à cette légende. 杨姐，这个红濑鸡爪好像在咱们泉州真的是特别有名，大街小巷到处都有卖的，是吗？对对。而且是不是每一家的味道它都一样呢？不一样，不一样。哦，所以其实这个到底谁家的味道好，可能真的就吃过了才知道。对对对。 L'ingénieuse personne qui a conçu la recette des pâtes de poulet de Honglai s'appelle Yang Yiqing, la dame que nous voyons et sa fille aînée Yang Qiuhan. Cette dernière a commencé à travailler avec son père dès l'âge de 10 ans. Dans le monde des produits cuits dans la sauce de soja de Quanzhou, elle est vétéran. Sun Shun se demande quel genre de recette secrète kung-fu va-t-elle découvrir à ses côtés. 我看咱们面前啊，这些都是卤鸡爪要用的料嘛，对对，很多的香料哈，是，对，就闻起来一股香味儿。那这些就是咱们这个精挑细选出来的鸡爪，是吗？这个鸡爪有什么讲究吗？一定是要这个鸡爪都是A 级的 ，A 级的，我们鸡爪有分A、B、C、D。哎呦，这还分级别呢？是，那我们这个鸡爪都是挑选 A 级最好的鸡爪，然后它有什么特点呢？这个它就是没有梗哦。 还有没有那个臭爪，没有那个皮。哦，所以你看，一只只都特别漂亮。你看，哇，这个手，你看皮肤都很美啊，然后上面毛也去除得很干净。看到这里，这个掌中宝这块也很结实啊。 Les feuilles de laurier parfument, les noix de muscade aident à digérer, la racine d'Atractyl tonifie la rate, les peaux de mandarine séchées diminuent l'éclair, la ligistique nourrit le sang, le cumin sort le froid du corps, le gingembre, l'anis étoilé et la cannelle enlèvent le mauvais goût de viande. Le poivre de Sichuan, le piment et le poivre blanc rehaussent le goût. Pour cette recette, aucun des 12 aromates ne doit faire défaut. La sélection minutieuse des produits ainsi que l'association parfaite avec des plantes médicinales sont des bases indispensables pour atteindre la maîtrise de la gastronomie kung-fu de Quanzhou. 哎，这个卤汤已经开了，对，现在是可以把料包放下去。好，然后就跟它搅拌一下。哇，哇，这个香味儿，哇，哎，你看这个泡泡都冒上来了。是，你看这个颜色非常金黄哈。
现在就可以把鸡爪放进去了。放进去，对。放进去大概要在里面咕嘟多久？放进去等开起来。嗯。开起来差不多20分钟。20分钟。就可以捞了。捞出来。就可以捞出来。捞出来之后就可以吃了吗？可以吃了。不用放凉啊什么的吗？要。啊，要放凉。就是不凉其实也很好吃的。吃热的也行哈。对，热的也行。对，然后也可以晾一下吃，就是当一个凉菜吃。对。对，cette soupe dorée et appétissante dégage son intense parfum. Les pattes de poulet toutes blanches y baignent et brunissent progressivement, dégageant leur éclat. Et ce qui fait l'hégémonie de ces pattes de poulet est bien leur soupe. Cette soupe que Madame Yang utilise à 32 ans, c'est-à-dire qu'elle a été préparée quand Madame Yang avait seulement 10 ans. Donc si on veut faire des pâtes de poulet au goût authentique, il faut y passer presque 30 ans. 一揭开锅，马上香气四溢啊！这是不是差不多了，杨姐？可以了，可以了啊！你试一下，好烫，好烫。对，来，现啃啊。嗯，哇，哇，那真的太入味了，好吃吗？太好吃了。哦。嗯。这个味道真的就是咸甜适中，对对对，然后你都能吃到那个胶质啊，因为我们这个鸡爪有胶原蛋白，对啊，真的吃的女孩子真的会年轻漂亮，哎，真的很好吃，这是我吃过味道最好的，这个热的好吃，凉的更好吃，是吗？凉的有嚼劲，然后又很 Q。Constantin qu'elle n'a jamais mangé meilleure pâte de poulet。Sun Xun est ravi d'avoir entrepris ce voyage. Décidément, les maîtres de Kung Fu de Quanzhou ont supporté leur savoir-faire secret à un niveau jamais atteint. Poulets et canards ont ici une forte et délicieuse saveur de Kung Fu. Mais où se cache donc le prochain maître? Sun Xun pourra-t-elle trouver un plat Kung Fu encore plus étourdissant? Après avoir quitté Quanzhou, nous fonçons tête baissée à Guangzhou, ville connue pour être le paradis de la gastronomie. Il va sans dire que dès notre arrivée, nous voici assaillis d'un festival de saveurs. On dit qu'il y aurait ici une autre spécialité Kung Fu. Qu'est-ce que cela pourrait-il être ?来到了广州，聊起了粤菜，第一句话一定是无鸡不成宴，也就是说呀，真正的广州本地人正宗的粤菜可以生猛海鲜都不要，但是一定要有一道鸡，至于怎么吃呢？那就相当丰富喽。Après une enquête minutieuse, notre gourmet de service a découvert un poulet bien peu ordinaire. Les Chinois de Quanzhou sont de grands spécialistes de la boxe Wing Chun, et en particulier du style de la grue blanche. Mais le poulet local, lui, préfère se consacrer au culte solaire. 观众朋友们，要说到这最正宗的粤菜，要找到这痴迷修炼葵花宝典的鸡，那就要给大家介绍我们味道的 VIP 人物彭老师。彭老师您好，哎呀，好久不见啊，辛苦了，累好累好。Maintenant, laissez-nous vous présenter solennellement Monsieur Peng Shuqie, l'un des rares conseillers pour l'Empire des Saveurs. Il travaille depuis 30 ans à l'hôtel du Cygne Blanc, qui fut le tout premier hôtel 5 étoiles de Chine. 我这个人啊，喜欢直接。嗯，我知道今天你就是冲这个鸡来的。对对，彭老师，我就发现啊，我这一路看过来，咱们这个鸡和我以前看的它不一样，因为咱们这个鸡啊，这个个子啊，娇小玲珑，我以前看那个个子都很大，这是为什么呀？ Ce que nous avons devant les yeux n'est autre que le célébrissime poulet aux trois jaunes. La légende veut que ce soit l'empereur Zhou Yuanzhao, le fondateur de la dynastie des Ming, qui l'ait baptisé ainsi.Mais d'après notre hôte, le poulet aux trois jaunes serait en fait un terme générique désignant toutes les variétés de poulet à plumes jaunes. 在百万葵园的养鸡啊，还要讲究鸡群居住面积。它这一盘鸡里面不能超过15个，如果超过15个，它们会打架。人说这个鸡练葵花宝典呢，不是说是练武功，那是练什么？我们是说它享鸡的享受那个环境。和他们的生活。哎呀，彭老师，原来是真有这么多的这个葵花啊！看来这个葵花宝典还真不是这个子无虚有的，是不是？咱这葵花鸡就吃这个葵花长大的？你好嘢呀、啊！
这个鸡啊就是吃这个葵花环长大的，而且这鸡养出来以后呢，不但皮脆肉滑，没有皮下脂肪，而且呢维生素 E 比普通鸡高了10倍。 Voilà que nous commençons à comprendre la première étape du culte solaire. Toutes les parties du tournesol sont utilisées. La graine de tournesol est riche en acide linolénique et en vitamine E, qui est un antioxydant naturel souvent considéré comme le secret de l'éternelle jeunesse. Pas étonnant que nos poulets aient comme plumage si coloré et si brillant. Par ailleurs, tandis que le réceptacle de la fleur possède des propriétés anti-inflammatoires, la tige est bénéfique pour le foie et les yeux. En résumé, c'est un produit très bon pour la santé. Ici, on amalgame donc, dans des proportions bien précises, des graines de tournesol en poudre à du maïs. Une fois prêt, les mélanges sont si bons que l'on a carrément envie d'y goûter. Vous savez, en Guangdong, 100 000 000 de方法最传统最能体现粤菜的是哪种鸡？这个我还真不知道。就是白切鸡。En effet, pour ce plat de poulet, le travail au couteau est tout à fait particulier et peut faire penser à la découpe du canard laqué de Beijing, puisqu'on le découpe avec art devant les clients. Selon notre chef cuisinier, la découpe traditionnelle se doit d'être conforme à des exigences très strictes, à savoir 32 coups de couteau précisément. Monsieur le chef, 鸡的这个身体当中之后，这个肉特别的滑，轻轻用刀一带啊，就给带下来了。你看，还不错吧，关师傅？对，还可以。哎，何师傅，你看我这个品相还不错啊，值得表扬哈。来继续，怎么感觉没有骨头，全都是肉呢？哎呀，还不错啊，蛮漂亮的。哎呀，这个终于进行到我最拿手的，因为这个比较简单，就是5刀哈，5刀啊。啊，是5刀。只砍了4刀，4刀就4刀吧，4刀了。好嘞，皮都没了。走你，这放在哪儿呢？放在边边。砍到最后这里，有没有感觉到我们这个葵花鸡那个骨头特别的脆的？对，特别的脆。但是你看，师傅，您把您的那盆拿来，咱俩比一下。你看看啊，这盘是您的，这盘是我的。你看我这盘切完之后，这肉多多。哎，何老师啊，我发现一个问题，咱这个葵花白切鸡啊，好像有一层像琥珀一样的东西，这个是什么呀？你真厉害啊！你看它这一层。是骨胶原哦，骨胶原啊。为什么说葵花鸡比普通鸡维生素 E 高10倍？就是这个不同之点。嗯，彭老师，我第一次吃一种美食，不知道要用怎样的一种这个词语来形容它的这个好吃的程度了。很有弹性的这个鸡皮，再加上嫩嫩的这个鸡肉，这两种感觉咀嚼在一起，再加上刚刚我们所看到的这个您说的这个骨质胶原。这味道真是太鲜美了，嗯，黄老师，您就别说那个鸡腿肉了，就连那个鸡腿骨我都想把它给嚼烂了给吃下去，太棒了！哎，你别着急，别着急，别着急，嗯，这边还有一盘极品葵花鸡骨碎，哦，那等着你品尝了。Sans vouloir exagérer, la moelle du poulet tournesol est une spécialité qu'il faut avoir goûtée au moins une fois dans sa vie.Après une cuisson semblable à celle du poulet découpé, on peut consommer les fémurs sans aucune viande, mais aussi les ailes de poulet avec la moitié de leur viande. Bon appétit! Mmh, 你把它吸一下。这不停的往外这个滴出来的这个鸡骨髓啊，感觉怎么样？哎呀，这个简直比那个棒骨里边那骨髓啊！我觉得比它的10根、20根的味道都要鲜美的多啊！咱广州人是太会吃了。好，那我们就把这个修炼过葵花宝典的葵花鸡记录到我们的味道
调查手册。Grâce à une grande ingéniosité et un travail soigné, les Cantonais ont su créer un poulet d'exception. C'est avec une créativité qui se fonde sur les grands classiques que les professionnels de gastronomie expriment leur respect envers les précieux produits qu'ils utilisent. Et c'est bien cet amour du travail bien fait qui donne une saveur que les gourmets n'oublieront pas de sitôt. Cependant, notre enquête n'est pas encore finie. Si l'on pousse l'aventure jusqu'en Indonésie, comment s'y prennent-ils là-bas pour donner un autre goût à leur volaille ? L'Indonésie est le plus grand archipel du monde. Il s'agit aussi du quatrième pays le plus peuplé du monde. S'étendant des deux côtés de l'équateur et bénéficiant de riches ressources maritimes, l'Indonésie est un vrai paradis pour les vacances. Aujourd'hui, nous partons interroger les Indonésiens qui sont de véritables experts en fruits de mer. Quelles nouvelles saveurs peuvent-ils donc tirer du poulet et du canard ? Pour répondre à cette question, notre ami Sun Shun a besoin d'un guide, à savoir un expert connaissant aussi bien les mœurs et les coutumes de la région que la cuisine locale. Try this as well, in comparison. This is the best, the second best. Personne ne pourrait soupçonner que le cuisinier le plus apprécié des professionnels locaux est un ressortissant helvète. Heinz m'explique qu'en Suisse, il était cuisinier et que c'est en recherchant les bons petits plats qu'il est venu à Bali. Par la suite, comme il est tombé amoureux des saveurs locales ainsi que des balinaises, il a décidé de s'installer ici. D'après notre cuisinier qui connaît la culture locale comme sa poche, à Bali, tout sans exception, l'habitude de porter des aliments sur la tête ou les épaules. En effet, les gens d'ici considèrent les aliments comme un don du ciel qu'il faut éminemment respecter. This is heavy, kind of. it's not even a quarter full. Wait until you get home and it's really full. Devant les étals, Heinz sélectionne juste ce dont il a besoin. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les gens du coin connaissent très bien notre ami suisse, ni d'ailleurs que notre ami suisse connaît tous les produits du marché. Don't worry about it. It's sweet. Got a little tingle. No. It's not like that spicy. No. It's okay. Nice. Yeah. But you know what? If I leave this out 5 more days, you cannot do it anymore. They become very spicy. Heinz nous explique que puisque les gens du coin sont très exigeants en matière de fraîcheur des aliments, ils viennent quotidiennement faire leurs courses ici. Aujourd'hui, il se propose de faire un poulet grillé aux aromates pour faire découvrir à notre enquêtrice l'authentique saveur indonésienne. Take the biggest one. The biggest one, really? Yeah. Is this the biggest one, I guess? You like, this is Charlie. Okay. Yeah. Le fait que Heinz ait donné un nom à chacun de ses poulets m'a fait rire aux éclats. Mais ceci n'est qu'un avant-goût de ce que ce drôle de cuisinier se prépare à faire en cuisine. Okay. We hypnotize him like this. Charlie, go to sleep. Go to sleep. Wow. Mon Dieu, le Charlie que j'ai connu tout frétillant se retrouve figé en un clin d'œil. Est-ce qu'il a vraiment réussi à l'hypnotiser ? Hypnotiser un poulet d'une simple injonction, je n'avais vu ça que dans Harry Potter. Je commence même à me demander si Heinz ne serait pas plus sorcier que cuisinier. They're very quietly waiting for the moment to come. Yeah, really quiet. So what do you do with Charlie now? Charlie. You put him on his back. Wow. Over the neck. Kind of comforting. Over the chest bone. Wow. And then Charlie is asleep. Yeah. Now, if the legs fall over, now I have to support them a little bit. Now he's hypnotized. Le fait que notre cuisinier ait réussi si facilement à hypnotiser ce poulet a complètement ébranlé mon expérience et mon jugement. Quant à la préparation du plat, je suis bien curieuse de savoir quel tour de magie il a encore en réserve. Oh, it's nice and cool sitting here. How did you find this place? We didn't find it, we built it. Heinz m'explique qu'à Bali, presque chaque famille fait construire dans sa cour ce genre de petit pavillon ouvert en forme de tente. Dans le passé, ce genre d'endroit était réservé aux activités religieuses, mais aujourd'hui, c'est un lieu où l'on peut bavarder, prendre le frais, faire une sieste ou juste rester là, l'air absent.
Voilà d'ailleurs pourquoi on lui a donné le joli nom de pavillon des absents. En Chine, on pile souvent les ingrédients dans un mortier. Mais les habitants de Bali ont l'habitude d'utiliser un moulin en pierre pour transformer en purée des ingrédients hachés tels que le piment, le gingembre, les tomates, etc. Yeah, be brave and try. Be very brave. Good luck. I was too brave, I guess. You are very spicy. Ah, the moment, you know, my tongue. Well, you took it out again? Yeah, oh, I can't stand it. I have this cough. Évidemment, cette manière de moudre prend beaucoup plus de temps qu'avec un mortier. Mais les autochtones tiennent à ce savoir-faire qui, d'après eux, permet de mieux amalgamer les saveurs ainsi que toutes les sortes de jus différents. Ok, Charlie's back. Yeah. Wow, okay. Looks nice. So, let's put them down here. Yeah. I've been hiding my secrets. Up there. Ok. Seasoning. Yeah, up there. I won't tell others. Oh, wow. Okay, injection. What are you gonna do with this? Oh, poor Charlie. Next thing is now what you have to keep in mind when you cook a chicken, when you roast them. The legs will take a little bit longer to cook than the breasts. Wow. They take about 6 degrees higher temperature than the breasts. So what we're gonna do, have to do now is find a way that it takes the breast a little bit longer to cook. I believe strongly with the knowledge we have today about science, we can actually prepare Balinese food better than they can do in the village. That's right. Pour que la poitrine de poulet mette plus de temps à cuire, on bourre l'espace qui se trouve entre la peau et la chair de légumes enrobés d'une sauce aromatique. Cette méthode, qui rallonge le temps de cuisson, peut paraître ultra originale, mais elle est en fait très pratique. Oh, look at the color. So what we do now is we go with this one. Okay. Right into the center of the chicken. To be safely cooked, we need 71. 71. But what we're going to do is we take it out with 65, and then we go into the oven and we roast for another 15-20 minutes to give them a nice color. Okay. And then it goes up to 71. All right. So then it's pretty perfect cooked. Ce n'est qu'une fois passé ces trois étapes complexes, à savoir la macération, la cuisson à la vapeur et le rôtissage, que Charlet, exaltant alors un doux fumet pimenté, pour enfin obtenir ses galons de poulet grillé aux aromates. Well, it's really tender. Tasty. Did you say it's not spicy? But for me, I think the hot taste, but then the spice comes out. La chair du poulet à la fois juteuse et tendre, avec sa peau toute croustillante, me laisse d'abord la langue en feu. Puis voilà que l'agréable parfum de la feuille de bananier vient apaiser l'irritation du piment. J'ai à présent la sensation que mes papilles gustatives sont devenues accro au piment et voilà qu'elles en redemandent encore et encore. Mais pour ce qui est des tours de magie avec Charlet, le numéro n'est pas encore terminé. I actually really like the, you know, the crispy skin of the chicken. You do? Yeah. There's a secret weapon to it. What is it? Skin very, very crisp. You need very high heat, right? Yeah, that's right. If it's still not crispy enough for you. Mm-hmm. Yeah, it's not, I guess. No. Get a gun. Oh! Wow! Voici notre Helvète à présent armée d'un chalumeau. Wow! Okay, oh, it smells so good. Même si notre ami a un tantinet amélioré la façon de préparer le poulet, la saveur est néanmoins des plus authentiques. Ce grand cuisinier suisse a vraiment du génie. D'après ce qu'il nous explique, toutes les améliorations qu'il a apportées au savoir-faire traditionnel ne se sont jamais départies de l'esprit de la cuisine de Bali, et les techniques modernes qu'il emploie ne sont là que pour faciliter les choses. D'ailleurs, pour ce qui est des aromates indispensables à la recette et des différentes étapes de la préparation, tout est absolument observé à la lettre, car il s'agit bien là du cœur de la tradition. Cet homme, qui est né et a grandi en Suisse, mais qui a passé plusieurs dizaines d'années à Bali, en s'intégrant à la vie locale, est ainsi devenu un expert en gastronomie balinaise. Pour lui, la gastronomie n'a pas de frontières et la mission qu'il s'est assignée pour protéger et faire connaître la cuisine balinaise est tout à fait digne d'éloge. Seul ce genre de personne qui consacre sa vie entière à faire partager la culture culinaire d'un pays peut être appelé gastronome. Après avoir fait mes adieux à ce petit génie de la cuisine, voilà que je repars rendre visite à un sculpteur, Monsieur Newman, qui va nous présenter un plat de canard très célèbre dans la région.
Mother. Nice to meet you. Hello. Cet homme élégant, habillé en costume traditionnel, est un artiste particulièrement doué pour exprimer la culture indonésienne à travers la sculpture sur bois. À ses heures perdues, il adore également fabriquer des bijoux. Mais Monsieur Newman a une autre casquette puisqu'il est le patron du fameux restaurant dit des canards sales. Wow! They actually, you know, they don't look so dirty, do they? No. After cook, it's not dirty anymore. That's right. And actually, do they have names like... The name depends on the color. The color? Yeah. Like that white one, I would call him... White da. Blonde da. Okay. In Chinese, it would be like 小白呀,小灰呀. Okay. Yeah, they are really clean, actually. Yeah. À Bali, comme les canards sont élevés dans les rizières, on les retrouve souvent crottés jusqu'au bec, d'où leur surnom de canard sale. Ces volailles, somme toute ordinaires, sont pourtant une grande spécialité de la région de Ubud à Bali. Le restaurant des canards sales est le seul restaurant qui offre ce délice dans la région. Rien d'étonnant alors à ce qu'il faille réserver une place 2 semaines en avance pour déguster ce plat. Comme le patron est un sculpteur et un designer, la cuisine qu'il propose a forcément quelques particularités bien à elle. And with this here, I don't think other knives are like this here. No, this is special. I make special. You make it? Yeah, because I'm an artist. I like to have always something special. This is from silver. Silver? All this handmade. Wow. À vrai dire, en voyant ce couteau fabriqué de façon artisanale, incrusté d'or et d'argent et orné de pierres précieuses, je pense qu'il vaudrait mieux l'exposer dans un musée plutôt que de l'utiliser comme un hachoir dans une cuisine. For me, the food is art. This is art. I love art. Mm-hmm. I love art. All I do here, garden, building, food, all with art. I love art, you know? Yeah, and cooking is also art. D'après Monsieur Newman, l'art serait issu de la vie quotidienne et devrait par conséquent la servir. C'est un peu à l'image de ce hachoir. Ce n'est qu'en l'utilisant qu'on peut se rendre compte de sa valeur pratique. Is it going to be really hot? Yes, if you... It's directly, it's very hot. But if you mix together, not hot. Oh, really? Okay. Yeah, because I think chili is used a lot in the Indonesian food, yeah, and the Bali food as well. Like chili very much. Yeah. Mm-hmm. Very good smell. Wow, yeah. Yeah. Avec un assaisonnement fait maison, un fourneau traditionnel, du bambou séché pour combustible et un feu parfaitement maîtrisé, ce plat de canard sale, qui ne paie pas de mine, exige en fait une très longue préparation. D'abord, il faut faire mariner le canard pendant 48 heures afin qu'il s'imprègne bien des saveurs. Puis on cuit la viande dans un wok avec des condiments préalablement moulus. Wow, it smells already very good. Oh, wow. Dernière étape, on fait frire le canard pour qu'il soit bien croustillant. Monsieur Newman m'explique que traditionnellement le canard sale était très pimenté. Mais aujourd'hui, afin de répondre au goût des touristes, on propose la sauce au piment à part. De cette façon, les clients peuvent pimenter ce qu'ils mangent comme bon leur semble. Alors si j'ajoute ne serait-ce qu'un chouïa de sauce au piment, qu'est-ce que cela va donner? Just give it a little taste. Okay. And same way, you first. Same way. Oh. Okay, yours seems like you're enjoying a lot. Of course. Okay. Yeah. Okay, my turn. It's okay. No, it's not okay. I taste the spicy. You think spicy? Oh yeah, it's spicy. Definitely spicy, and it comes after. Yeah. That this is Bali food. It's spicy. Au début, quand j'ai su que ça s'appelait canard sale, je ne pouvais pas imaginer que derrière ce nom se cachait un plat aussi raffiné. Ce mets populaire qui exige un savoir-faire confinant à l'art le plus consommé ne mérite vraiment pas cette appellation. Dans cette région tranquille de Ubud, c'est comme si tout le monde était un peu artiste et que le moindre coin était propice à la rêverie. Sur place, on prend peu à peu conscience que l'art nourrit le quotidien, que le quotidien nourrit l'art. Après avoir dit au revoir à nos amis indonésiens, notre voyage gastronomique continue. Alors, après ces canards sales, fort originaux, quel autre plat de canard va-t-il bien pouvoir soutenir la comparaison? Chiang Rai,
une région de l'île chinoise de Hainan, est également un lieu qui ne manque pas d'originalité. À un aval du fleuve Wenchuan, l'architecture de la ville se fond avec la campagne environnante et donne un sentiment d'harmonie. Mais comment est-ce que les Chinois locaux cuisinent-ils leur canard ? Pour Madame Wang, qui élève et vend ses canards de mer depuis 8 ans, elle les connaît très bien. Mais ils ne semblent pas tellement savoir voler. Par contre, on n'arrive manifestement pas à les faire partir. Mais pour quelle raison ? Un petit point d'eau clôturé par un filet d'à peine 1 mètre peut arriver à les retenir ? En quoi ce canard de mer est-il si bon ? Nous allons faire appel à leur chef. Quand il s'agit de choisir un canard, notre enthousiaste chef des canards saisit son filet et le manie avec puissance. Sa vigueur n'est pas sans rappeler une chanson populaire chinoise. Pour attraper un canard de mer avec le filet, il faut résolument être vif et courir vite. Mais le plus difficile reste à distinguer le sexe et la maturité du canard, alors qu'il fuit dans tous les sens. Maintenant, nous allons voir ce que notre enquêtrice peut bien donner. Le chef des canards explique que ces canards ne se nourrissent que dans l'eau mi-salée. L'environnement de vie et d'alimentation le plus adapté à ces canards se situe donc dans les quelques kilomètres du fleuve Wenchuan, dans lequel la marée haute de la mer remonte. Ces éleveurs se lèvent tôt tous les matins pour emmener les canards se nourrir dans cette zone. Le soir, les canards reviennent de même dans leur habitat dans lequel il suffit de leur donner un peu de maïs. Voilà pourquoi on ne peut les faire partir. 你有啊，我是那个大陆过来的嘛。嗯，从你来讲呢，这个鸭，它那个有野性嘛。你到那个淡水去养它，就不对，它味道就会变了。怎么吃好吃啊？大陆人、中国大陆人喜欢吃煲汤。我们本地海南人喜欢吃干煸。咱们先做哪一种？干煸的嘛，干煸的哈，干煸就行。 On découpe le canard de mer en morceaux. On hache le gingembre et l'ail pour bien donner du goût. On met du piment rouge pour donner un peu de couleur. Les lamelles d'oignon atténuent la mauvaise odeur de la viande. Rien qu'au niveau des condiments, cette typique recette campagnarde n'a rien à envier au grand restaurant. Oh,
大姐，这个就不停的翻炒是吧？对对对，翻炒一下。哎呀，太香了，你知道吗？超香的。对，而且尤其是用这种锅，我这种锅做出来才够香啊。对对对对。还特别过瘾。对对对。就是这火候不好找。哎，可以的，可以的，不怕。不停的添柴。添柴，添柴。对，所以最好是要有个人帮忙。对对对呀、啊。是吧？这种就是要有人在旁边。Le sautage à sec dont parle Madame Wang n'est pas vraiment le même que la méthode traditionnelle. Dans cette dernière, nul besoin de rajouter d'eau. Or, Madame Wang en ajoute après avoir fait sauter le canard. Elle met gingembre, peau de mandarine sèche et fait cuire à l'étuvée. Ceci s'apparente donc plutôt à la cuisson à l'étuvée nordiste. Il faut 拿槟榔花过来煲鸭汤。鸭汤啊？对呀、槟榔花。对对，槟榔花很好的。对，我看来很多槟榔树的。槟榔是很多的，这种药用的、槟上很多。是吗？对呀，咱们去采槟榔花去。好嘞。大姐在哪儿呢？槟榔花？我带你过去，走。我来走。这个是都是槟榔树吗？对对对，这有花的地方啊。这个就是吗？对对呀、这是花的。这黄的是吗？对对呀。啊？这个就是槟榔花？对。哦，这个花也能长，那这个也是了。对对对对对。哦，哇，原来槟榔花长得这个样子的，这个就采下来，然后就放在汤里头吗？采摘这好漂亮的，真的很漂亮哎。对对对。哎，你看娜姐，这上面有点像芝麻一样哈。对对对对。哎，来您给我个刀啊。在我那。好好，没事，我把它砍下来啊，就这样。好，这是好，来来来，好哇，一下就能闻到那个味道，对啊，大姐，这个我也撅下来了啊，那接着，来，力气大得很呢，力气大吧？对呀。À Qianhai, on peut voir des arêtiers de partout. La fleur d'arêtier renforce l'estomac, désaltère et soigne la toux. Mais si les habitants de Qianhai l'utilisent pour faire la soupe de canard, c'est surtout pour sa fraîcheur et son parfum exquis. On a donc la fleur et notre canard cuit à point. Nous pouvons donc le goûter avant de faire la soupe. Hai ya, c'est hai ya. 本身它就是香的，对对对对，你看你看着，怎么香？你喜欢呢？五颜六色就特别好看了啊！这不光是好吃了，来，来了，好，我来拿着，来，好吃的。哎呀，你看这颜色，漂亮，这气质，说啥？好嘞，我口水难以，口水都下来了，大姐，那咱赶紧尝一口好不好？你也来一块，来来来，我们两个人。好啊，我们两个人。大姐，哎呀，好烫！这才尝一下。嗯。嗯。相当入味了。嗯，太棒了。那姐厉害了。那个肉质弹弹的，很结实，对吧？对对对。就是你看，就是运动的跟不运动的鸭是不一样的。不油腻。有点辣，有点香。对对。还有天然的那种咸味儿，对对对，不放盐巴的，不放盐巴的哦，天然就是咸哦。鸭子本身好，再加上娜姐的手艺啊，搞一下，你得只拿过来浇饭。对啊，就盖浇饭。嗯，自己对自己厨艺有什么评价？可以的，可以的，娜姐很差的，可以，他会正常发挥正。Comparé au canard de mer sauté que Madame Wang vient de faire, cette soupe de canard à la fleur d'arêtier est une recette vraiment typique de Qianhai, simple et naturelle. On fait rapidement revenir l'ail et on fait sauter vivement le canard, on ajoute de l'eau et la fleur d'arêtier et on laisse cuire 15 minutes.一个纯天然的那种甜甜的味道，对对对，对吧？再加上鸭子本身那种咸香味在里头，对对对，再加上槟榔花在里面有一个提鲜甜的作用，对不对？哇！Le canard de Qianhai authentique est donc sauté presque sans huile, puis mis à mijoter avec des fleurs d'arêtier. Mais l'originalité des saveurs ne se résume pas seulement à la façon de cuisiner.Elle vient aussi du tempérament chaleureux et direct des Chinois de Qianhai, ainsi que de la belle nature environnante.